Les épiceries réalisées au cours de cette émission sont des exploits hors du commun. La politique des coupons en vigueur au magasin qui nous reçoit est appliquée. Je redoute que l'autre équipe pogne la boîte avant moi. Faut que je me rende avant. Ben, il est vide. Je me suis pas rendue à temps. Il y avait quelques produits qui avaient 7-8 à peu près, puis on voulait être sûr de les avoir, puis qu'on les a cachés en dessous d'autres produits. Et les glaives, on les oublie complètement. Oui. On les a presque pas croisés, l'autre équipe. Ils sont où? J'ai pas pris le bon panier. Je sais pas pourquoi. Je pensais que le panier est quelqu'un d'autre. Tania et Karine, c'est sûr que du haut de mes 6 pieds, je risque d'arriver à certains produits avant vous. Puis je vais vider la table. Les reines du couponing s'affrontent pour réaliser un défi extrême. Faire une épicerie en ayant comme objectif d'atteindre une valeur minimale de 1 500 $ en payant moins de 100 $ grâce au coupon rabais. Les deux équipes ont 5 semaines pour se préparer et 3 heures pour faire leur défi en magasin. Les meilleures couponneuses du Québec tentent de réussir l'épicerie la plus colossale. Au final, leurs épiceries sont remises à une œuvre de charité. Je m'appelle Tania, j'ai 30 ans, j'habite Belleuil, je suis esthéticienne, je couponne depuis 10 mois et ma réserve vaut plus de 10 000 $ et j'ai payé 1 500. Et nous sommes Mission Couponing! Parce que Mission, on fait des bons coups. Bien, à la place de dire du couponing, mais nous autres, on fait du couponing. C'est plus relax, c'est plus wouhou! On aime ça! Notre objectif, c'est 3 200. Puis on est dans le crédit de 45 $ à peu près. Moi puis Karine, ben on s'entend super bien, on a fait des belles échanges. Dans une épicerie, elle va spotter plus vite que moi, puis elle est plus dans le calcul que moi. Ça, c'est sa grosse force. Je m'appelle Karine, j'ai 34 ans, j'habite Saint-Eustache. Je suis infirmière auxiliaire, je couponne depuis 7 mois et ma réserve vaut environ 2000 $ Moi et Karine, on se connaît, on n'arrêtait pas de faire des jokes, puis on est devenus bien amis sur Couponnière, puis c'est ça, on est folle. Tania est énergique, Tania, c'est presque une mascotte. On a un problème de facteur ces temps-ci. C'est long! Bonne journée! Merci! Tania est toujours en train de faire des commissions. Elle revient avec le char plein, puis elle filme ça. Elle nous envoie des photos sur Couponiac. C'est vraiment génial. Là. Ça fait rire bien du monde. Dans la vie, je suis très intense. Mon facteur! Dans tout ce que je fais pas un petit peu. Je vais faire gros, big et toujours plus. Et c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est des coupons. Ça, mon petit coupon. Je couponne en débile. Je suis pas capable de me garder en place. J'ai 8 cartables. Puis, mettons que je me mets en échange, je commence dans le salon, je vais dans la cuisine. Puis après ça, je suis rendue dans l'escalier. Puis là, je vais dans la chambre. Puis là, il y a des coupons dans la chambre. Tania, il faut que ça bouge tout le temps. Elle, dans sa tête, ça bouge tout le temps, ça l'arrête jamais. Donc, le couponing à 40 heures semaine, là, je pense que ça vient la combler beaucoup. Mon mari, après le mariage, il m'a dit, ça te tente pas de faire des coupons? J'ai dit non, ça marche pas ici, ça marche juste aux États-Unis. Puis là, j'ai ri de lui. Il a fait venir un ami qui couponne, puis qui m'a amené à l'épicerie, puis qui m'a montré que je payais juste les taxes. Depuis ce temps-là, elle a juste jamais arrêté. J'étais venu de me planter une tente dehors, parce que j'aurais plus de place dans la maison, au sous-sol, à l'étage et à l'autre étage en haut. C'est une passion aussi, c'est rendu grave et addictif. Puis quand je suis à l'épicerie, le monde me regarde vraiment avec des yeux de travers, genre... là, je les regarde, inquiétez-vous pas, j'économise. Bienvenue dans ma réserve, ma passion. Je passe mon temps ici. C'est extrêmement un petit peu. J'ai comme pas de limite, j'ai pas de fond, comme le papier de toilette, là. 1,50 $, c'est big deal. Puis je m'en sers aussi parce que mon mari, là, quand il ronfle trop, je l'installe dans le sous-sol, c'est là qu'il dort. Là. Moi, j'ai pas compté mes boîtes de Kleenex, puis mon mari trouve que c'est trop. Mais c'est pas grave. On en masse. Dans le fond, je suis arrivée chez le bureau en gros, puis à l'entrée, je vois 99 cents d'une boîte de Kleenex. Je fais, c'est possible. J'ai un coupon qui était dans le cahier Walmart, puis c'est un coupon d'une pièce à l'achat de n'importe quelle boîte de Kleenex. Et je dis à mon mari, je dis,
Oh my God, je m'en vais chez Bureau Agro, ils ont des caisses et des caisses et des caisses et des caisses! Les Margaret, oh non, c'est une niaise. Non, non, je te niaise pas, là. Fait que j'arrive à la caisse, la madame Margaret, elle dit 60? Je dis oui, 60. Dans le fond, la limite, c'était deux parachutes. Fait que j'ai dit, OK, ben, fais-moi 30 factures. La prétente, elle dit, pense à l'autre caisse, je vais te parler 60. Je réussis toujours à avoir ce que je veux. Puis s'il y a une limite, je vais m'acharner jusqu'à temps que je vais sortir avec. Je suis reconnue pour ça ici, dans ma ville. Écoute, Tania, c'est ma voisine. Elle est très intense. Elle fouille dans les bacs de récupération, elle vient chercher mes circulaires. Elle en fait une maladie, la petite Tania. Je me gêne pas. J'ouvre le bac, je me rentre dedans. Puis je ramasse tout ce que je peux trouver, que ce soit des cotes de céréales, des framboises. Il y en a, c'est leur publisac avec les encores dedans. Souvent, les gens riches, ils couponnent pas, fait qu'ils mettent tout dedans. Puis ben moi, ben je suis une maman heureuse. Je m'appelle Jessie, j'ai 30 ans. Je vis à Vaudreuil-Dorion. Je suis maman à la maison. Je couponne depuis bientôt 3 ans. J'ai une réserve qui s'élève à environ 3 000 J'ai payé environ 500 maximum. Nous sommes les grandes couponneuses! On a choisi les grandes couponneuses, premièrement, parce que les deux, on est grandes. Moi, dans mon dépanneur, il faut que je me plie en deux quasiment pour rentrer. Je m'appelle Rita, j'ai 34 ans, je suis ergothérapeute, je viens de Gatineau et je couponne depuis 2 ans. On s'est mis un défi, nous, en commençant, de faire une épicerie d'environ 1 500. C'est sûr qu'on veut payer le moins possible, donc on s'est dit moins que 100. Se rapprocher du zéro, là, c'est vraiment notre but. Les qualités de Rita, c'est surtout qu'elle prend les choses à cœur. Quand elle commence à faire quelque chose, elle lâche pas l'idée, elle va jusqu'au bout. Jessie, je la trouve très bonne. Elle a vraiment beaucoup de leadership. Elle a un grand sens d'organisation. Rita et moi, on fait une bonne équipe parce que les deux, on prend les choses vraiment à cœur. Puis on pense beaucoup au don qui va être fait. Mon dépanneur, il fait 5 pieds de haut, donc je suis obligée de me pencher. Parce que je fais 6 pieds. Et ici, c'est ma fierté, c'est mon dépanneur, parce que j'ai quand même beaucoup de produits. Les gens qui viennent dans ma réserve, ils trouvent que j'ai beaucoup de stock. Vraiment beaucoup, ils trouvent ça intense. Sauf qu'ils sont les premiers à être contents puis de repartir avec un sac plein de produits. Il y a vraiment un bon coup que j'ai fait, c'était les rasoirs. Il y avait une liquidation à 2 $. Et j'avais des coupons de 2 $. J'ai juste payé les taxes, mais ça vaut 10 $ au moins. Dernièrement, j'avais 560 rouleaux de papier de toilette environ. Ça fait à peu près 2 ans que j'en achète pas. Mais là, je me retrouve qu'il me reste juste un paquet. Fait qu'il faut vraiment que je regarde les ventes puis que je remplisse ma réserve. Tout ça ici, ça va être rempli de papier de toilette dans quelques semaines. Au début, quand j'ai commencé à acheter les produits, c'est parce que c'était vraiment pas cher. C'est certain qu'aujourd'hui, je vois ça comme une sécurité. Supposons, mettons, qu'il arriverait un pépin financier, ben, je suis capable de m'auto-suffire d'une certaine manière ici pendant un petit bout de temps. J'aime ça, économiser. J'ai mon dépanneur, ma réserve et tout ça. Mais j'ai décidé de me partir un jardin au début parce que je voulais des bons produits frais, que je savais d'où ils venaient. Mais aussi, dans le but d'économiser, encore une fois, j'ai des fruits, des légumes, des framboises, des fraises. Oui, on peut dire que je suis une personne économe. C'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps. Je pense que je suis rendue vraiment une pro des économies. J'ai toujours eu des circulaires en papier et tout ça. Là, je serais un peu entre les deux. C'est sûr, je me sers un peu de mon téléphone, mais j'ai encore la vieille mentalité d'avoir les circulaires à papier. Il y a les circulaires Flyer Refly que je regarde de mon téléphone. Ça, j'aime vraiment ça une fois de temps en temps. Les circulaires Uniprix, Tic Géant, je les reçois pas, fait que j'en profite et je regarde ça là-dessus. Ce qui est très, très, très important, quand les gens commencent, les gens, ils se disent « Ah, ben j'ai la clé, je vais imprimer... » un ou deux coupons que l'ordinateur nous laisse imprimer. Puis des fois, il y en a qui se disent « Ah, ben je vais les photocopier, comme ça, je vais en avoir plein, je suis donc intelligente. » Non, 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 non. Photocopier des coupons, c'est illégal. Et si vous essayez de passer des coupons dans les épiceries, ils vont venir qu'ils vont savoir qui vous êtes, qui a passé ces coupons-là, puis ils vous aimeront vraiment pas. Puis ça se pourrait même qu'ils disent « Ben on refuse les coupons imprimés à cette heure. » Son couponing, je trouve pas ça exagéré parce qu'on en fait un peu dans la journée, mais les enfants, ils vont l'aider, ils vont découper les coupons, ils vont placer ça dans ses cartables. Puis eux autres, ils trouvent ça le fun parce que c'est un jeu pour eux autres. On joue à des jeux aussi de... On met les pareils ensemble, les pas pareils et tout ça. Ah, l'autre côté est à l'envers. Faut te mettre de l'autre côté. Et pareil! Tu l'avais bien fait, mais on va le refaire. Ah, ben on les refait d'abord. Ah, oui.
trouve pas que c'est compulsif de couponner. Moi, c'est venu vraiment graduellement. Au début, tu commences à faire un peu d'économie, puis finalement, t'en veux toujours plus et ça va toujours en grandissant. Mon cartable, c'est certain que je m'en départirai jamais. D'ailleurs, ça me stresse un peu parce qu'au défi, il faut vraiment absolument que personne prenne mon cartable. Ça se peut que je l'attache après le panier. On va voir. Peux-tu penser aux menottes? Peut-être. J'ai passé 4 heures à imprimer. Est-ce que je pense? Non. Mission couponnée. C'est pas très menaçant. Non. Je sais contre qui je vais couponner dans le Walmart. Je me considère dans les meilleures couponneuses au Québec. Cette semaine, les reines du couponing qui s'affrontent sont l'équipe de Tania et Karine. Et nous sommes Mission couponing! Elles désirent faire un don de 3200 $ d'épicerie. Puis on est dans le crédit de 45 $ à peu près. Leurs adversaires sont Jessie et Rita. Nous sommes les grandes couponneuses! Qui ont comme objectif un don de 1500 $ sans aucun paiement. Les deux, on prend les choses vraiment à cœur, puis on pense beaucoup au don qui va être fait. Les coupons, il y en a partout. Puis là, trois quarts des gens ne le savent pas. Exemple, des framboises. T'achètes un casseau de framboises, tu le mets au recyclage. C'est de l'argent. En arrière, t'as le site Internet www.driscoll. Puis ici, t'as le code. C'est un sondage. Quand tu vas sur le site de Driscoll, puis que tu rentres ton adresse e-mail, tu rentres le code, tu vas juste répondre à leurs questions, puis t'envoies un beau coupon. Fait que là, comme cette semaine, les framboises Driscoll sont 2 pour 4 $, ben ça va me coûter 1 $ le casseau. Quelqu'un qui l'a mis au recyclage. Puis moi, je suis morte de rire parce que je paye pas cher, mes enfants peuvent en manger 10 casseaux s'ils veulent, puis ça me coûte 1 $ le casseau. Bon, Minou, t'as-tu imprimé les Hawaiian Punch? Parce que moi, on est... Pour le défi, j'ai mis 60 heures semaine, plus d'un mois et demi. J'ai pas arrêté jusqu'à des 2-3 heures le matin. J'ai passé 4 heures à imprimer. Plus de 100 imprimés. Il n'a pas besoin de m'aider à couper. Parce que je m'éclaire pas tout ça. Est-ce que je pense pas? Non. Pour le défi, j'ai mis plus de 60 heures par semaine pendant 5 semaines environ. À tous les jours, je suis sur le site. Je me lève le matin, c'est la première chose que je fais. Je me couche le soir, c'est la dernière chose que je fais. Puis là, c'est ça, faut checker, là, dans le fond, sur quoi qu'on va se garocher en premier, là. Ce qu'on n'a pas en précommande, il faut courir. Je redoute que l'autre équipe pogne la boîte avant moi. Faut que je me rende avant. C'est ça, ma mission. Coucouning. Faut que je me rende avant. En courant. Est-ce qu'ils vont prendre toutes les fraises? Non. Sûr? Non. OK. Je vais voir mon courrier. J'espère en avoir parce qu'on a le défi dans une semaine. Ça fait 2 semaines que j'attends. J'en ai juste une. Fait que c'est ça, je suis déçue un peu. Depuis le début, j'ai mis pour le défi en tant que tel, peut-être 60 heures environ. Là. C'est sûr que les échanges n'étaient pas faciles. Ça n'a pas toujours fonctionné. J'ai un beau petit mot en plus. Bonne chance pour ton défi. Moi, pas mal moins, là, avec le travail tout ça, peut-être plus une dizaine d'heures par semaine, donc peut-être une trentaine d'heures de préparation en tout. Ça, c'est tout ce que j'ai réussi à avoir dans des échanges. Puis il y en a, ça serait le fun de les mettre à part peut-être, ceux qu'on peut utiliser plus qu'un coupon sur le même produit. Okay. Tu sais, parce qu'au lieu d'acheter 10 produits, peut-être avec un coupon, si on peut mettre des 10 coupons sur le même produit, ça va faire une plus grosse économie, là, ça pourrait valoir la peine. Ce que j'ai le plus peur par rapport au défi, c'est que les tablettes soient vides. Supposons que j'ai 30 coupons pour un produit, vraiment, ça m'écœurerait qu'il y en ait seulement 10 parce qu'il en manquerait 20 pour aller en don, tu sais. Puis comme les céréales à l'entrée, ça donne du crédit, ouais, ça va être proche de où qu'on va être. Bien, il y a ça qu'il faut ramasser, les laits aussi, là, tu sais, il va falloir bien, vraiment, les laits, les céréales, c'est nos deux priorités, je pense. Pour le défi, on a cherché beaucoup de gratuité et de produits Similac, Similac Mom, les pizzas sur et tout ça. J'étais contente parce que j'ai reçu un 10 $ Similac Mom. Mais surtout parce que j'ai des 3 $ Pédiasur. Fait que ça, c'est vraiment. Il nous en bon. Manquait, moi, ouais. On a quelques coupons qu'on a gardés de côté au cas où qu'il y ait des ventes, mais des bonnes ventes pour ces coupons-là. Mais c'est vraiment la dernière minute, cette semaine-là en cours. Donc, on a un petit coussin, mais
Justement, peut-être que la facture montrerait plus rendu là, on sait jamais. Moi, je connais absolument rien de l'équipe adverse parce que j'ai pas été voir. Mais Tania s'est informée pour essayer de voir c'était quel genre de personne. On connaît absolument rien de l'autre équipe. C'est qui, justement? Je sais contre qui je vais couponner dans le Walmart. Et je sais qu'elle a de l'expérience. Je pense que les gens me voient un peu comme la top. Je me dis, ça aurait été le fun d'avoir quelqu'un de mon calibre. Parce qu'on parlait là, du nombre de temps de couponing, mais c'est pas grave. C'est sûr qu'à jamais sans mes coupons, j'ai fait un épicerie de 4 600 $ qu'on s'est fait redonner de l'argent. Donc, j'ai vraiment confiance en mes moyens. Si tu veux, on verra ce que ça donnera. Les couponneuses arrivent à l'hôtel pour faire leur dernier préparatif dans le but de réaliser le plus grand don. Dans les derniers jours, on a pas mal travaillé, là. On a comme on a sorti les feuilles de l'inventaire, on a sorti les feuilles de précommande. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de choses à préparer pour être là aujourd'hui. Je sentais pas vraiment la compétition quand on a fait la première entrevue, mais là, moi, je suis prête. Oui! On l'a eu! Bon, on sort nos cartes. Oui, madame. Quand... le go va être donné. Moi, je vais me lancer vraiment sur la précommande. On va établir un plan du Walmart pour essayer de voir où est-ce qu'on va. Puis avec les walkie-talkies, ben, on va aller se rejoindre, dans le fond, en plein milieu. C'est un problème, c'est pas ça, faut-tu passer? C'est ça, là. Tantôt, je rushais un peu avec le walkie-talkie parce que j'ai pas l'habitude de... Moi, je suis tout le temps avec un cellulaire, fait que... Ah, j'aime ça. Ça marche! Je vais trouver le moyen de travailler avec le walkie-talkie. Je vais m'y mettre toute la nuit. J'ai décidé d'emmener à l'hôtel des coupons pour faire économiser mes voisins de porte. C'est des coupons que moi-même, je me sers beaucoup. Fait que, à 2 barres de savon à 48 cents, je pense qu'il y a du monde qui va être content. J'ai mis un petit mot pour leur expliquer. Puis je me dis que peut-être que certaines personnes vont réaliser qu'ils viennent économiser puis qu'ils trouvent ça le fun. Puis peut-être que ça va ouvrir une porte. À la veille du défi, c'est sûr que je suis stressée un peu. Je pense à demain comment ça va se passer. J'espère que les produits vont être là. Je m'imagine déjà aller aux produits que je souhaite vraiment avoir. Et du haut de mes 6 pieds, je souhaite quand même arriver la première à certains produits. Pour le reste, bien, c'est certain qu'on va sûrement croiser l'autre équipe. Mais oui, je suis excitée. J'ai tout mis les chèques et les coupons dans un bac. Tout divisé? Oui, c'est tout divisé. Puis j'étais un peu mal gênée ou suspicieuse qu'il y ait des gens qui prennent notre bac. Il y a quand même 2 000 $ là, dans mon beau petit bac de coupons. Fait que c'est précieux, là. Puis j'ai quand même des bonnes piles. J'ai pas envie que personne les prenne. Fait que finalement, j'ai apporté un sac. Il y a des gens qui se font voler des cartables et toutes sortes de choses. Fait que... Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Fait que c'est-tu vrai ou pas, je prends pas la chance. Il y a même des filles qui attachent leur cartable avec un cadenas sur le panier, là. De peur de se le faire voler. Ouais. Ouais. Je suis pas rendue là, mais j'ai mon sac, ça paraît pas ce qu'il y a dedans. T'es grande couponneuse. Yes. Yeah. T'es curieuse de savoir c'est quoi le nom de l'autre équipe, hein? Ouais, moi aussi. On va-tu voir? Mission Cocooning. Cocooning. Non, c'est pas très menaçant. Non. Ça fait pas compétitif. Ah. Non. Ouais, je suis déçue, moi. Je suis déçue après le vidéo. Je m'attendais pas à ça. Ouais, moi non plus. Je pense qu'il nous entend. Ouais. Si j'arrive d'enrager, je vide. J'ai fait mes repérages dans pas le bon Walmart. Ils sont passés tantôt. C'est nouveau santé. Il y en avait beaucoup. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, c'est commis, je veux voir, là, nous autres, on roule pas, là, on a rien. Là. Demain matin, l'équipe de Mission Cocooning et des grandes couponneuses s'affronteront. Mais avant, chacune passe son message à l'autre équipe. Moi, là. Si j'arrive enragée, je vide. J'apprends et je mets dans mon panier. Désolée, je passe avant. Là, il n'y a pas de chance. Là. Moi, je monte ma facture. Moi, je suis comme Tania, on est sans pitié. On part en guerre. Ça me fait rire. Ben moi aussi, ça me fait rire. Ça me dérange pas. En fait, j'ai dit la même chose. La journée du défi, si jamais j'ai 20 coupons et qu'il reste 20 produits sur la tablette, c'est sûr que je vais prendre ce que j'ai besoin. Là. C'est sûr et certain. Ça serait mon ami de l'autre équipe. Peut-être que ça serait différent. Ah, Tania et Karine, bonjour. En ce moment, on a eu un peu moins de temps. On a visé le minimum. Peut-être qu'on va se dépasser un petit peu. Donc, je vous souhaite bonne chance. Que le meilleur gagne. Moi, je crée pas ça qui vise le minimum.
Non, parce qu'elle a déjà fait 3 émissions, puis elle sait comment ça roule, les coupons. Peu importe leur montant, nous autres, on s'est fixé un objectif, puis on travaille sur nous autres, pas à savoir qu'est-ce qu'eux autres y ont. Tania et Karine, c'est sûr que du haut de mes 6 pieds, je risque d'arriver à certains produits avant vous. Et je vais vider la tablette. Il y a eu 2 secondes, mais... À quelques minutes du départ, voyons comment les couponneuses se sentent. Ce matin, je suis tellement perdue. J'ai fait mes repérages dans pas le bon Walmart. On avait tout planifié, on avait tout le plan en papier, on avait tout... tout était comme carré-carré, là. C'était bien, mais là, on a jeté le plan dans les poubelles, puis on recommence, là. Fait qu'à matin, ben c'est ça. Ça va être de trouver son où les articles. Une joie. Hier soir, on est venu à l'épicerie, hein, fouiner, se préparer, regarder s'il n'y avait pas des liquidations peut-être non annoncées. Là. Des fois, il y a des produits cachés, fait qu'on fouinait un peu. Puis on s'est rendu compte, bien... Il y avait quelques produits qui avaient 7-8 à peu près, puis on voulait être sûr des avoir, fait qu'on les a cachés en dessous d'autres produits. Mais c'était pas malhonnête d'avoir fait ça, en fait. Je sais pas, t'sais... C'était son idée. Bon, c'est ça. Let's go! On est prêts! Après 5 semaines à chercher les meilleurs coupons rabais, les 2 équipes sont prêtes. Vont-elles réussir à faire une épicerie d'une valeur minimum de 1 500 $ en ayant moins de 100 $ à payer? Elles ont 3 heures pour réussir cet exploit. Le défi commence maintenant. Quand on est parti, on s'est regardé toute la gang et on a fait « on va prendre un pas relax » et puis après ça, on va courir notre vie. Jess! Quoi? Ils sont pas tous en pharmacie. C'est bon. Du lait de bébé. Donc, ça, il est 7 écus, puis on a, selon les chèques qu'on a, ils vont nous donner pas mal de crédits. Et c'était un des produits qu'on voulait aller chercher en premier, c'est sûr, là. Bien, je suis vraiment contente qu'on soit arrivé en premier au produit Similac. Parce que, comme je disais, c'est 900 $ qu'on aurait pu perdre s'il serait arrivé avant nous. Mais on n'est pas arrivé. Les armées sont pas là. Fait qu'ils sont déjà préparés. Okay. Mais on veut pas être là, là, nous, là. On veut être dans le lait. On y va. À l'autre bout, complètement. Mais pas tant que ça, là-dessus. Ça, là! Eux, ils sont sortis avec comme 2 carrosses pleins avec le stock qu'on avait besoin. Là, c'était comme, oh non, ils ont parti avec le stock, c'est sûr, là. Bon, on a besoin d'un commis! Mais non seulement on est arrivé en premier parce que j'ai couru, mais ça a permis qu'on arrive en premier au 2e produit aussi. Fait que finalement, ça s'est enchaîné. Fait que je suis vraiment contente qu'on soit arrivé en premier au produit. Ben ça... Ils ont trouvé le lait! L'alimentum. Ils l'ont trouvé? Le carrosse est comme ça. Ils ont tout ramassé l'alimentum au complet. Au complet, il n'y a pas rien. Ben non, mais... J'ai ramassé l'enfant gros. Moi, c'est commis, je veux voir. Nous autres, on roule pas, là, on n'a rien. Là. Moi, quand je suis arrivée dans le lot de bébé, c'est que je les voyais courir puis faire que... Rrr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 
Où est-ce qu'est-ce que je vais prendre? Oh, on change de produit. La pharmacie, là, moi, mais la pharmacie, il n'y en avait pas. On va y aller. C'est là qu'on va chercher le maximum de crédit dès le départ. Si ça, ça nous prend ça. Si on l'a pas, on est dans chenoute, là. Fait que là, on tournait en rond. C'est un chaos total. J'aurais dit « Maman, viens me chercher. Sors-moi de là. » On est passé à la bonne place, mais on l'a pas vu. Il était à terre, caché dans la rangée de la pharmacie. Ah oh, ouais, Karen! Oh! 14-15 de la joie! Bien, moi, je suis dans la vente. C'est sûr que ça me surprend pas, là. Je trouve que c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, là. C'est juste... Si j'avais été peut-être une consommatrice différente, bien, je me serais dit qu'est-ce qui se passe, là. Mais en étant dans la vente puis en étant avec le public puis tout ça, bien, je vois que c'est une belle façon de promouvoir un produit, là. Pour le lait, il nous en manque sûrement, mais j'ai pas eu le temps de compter. On fait 75 cents par bouteille. Fait qu'on vide la tablette. On fait du crédit. En regardant, tu as du jus. Ah, check! Yeah! Combien on a besoin? 79. Il nous manque du gratuit. On a tout notre crédit, quoi qu'il y en a qui est caché. On le pogne tout de suite. On va prendre nos cachets. C'est où? C'est derrière le Cheerio. Ils sont où? Je pense qu'ils sont là. Quand on est venu hier soir, en fait, il y a un produit qu'on voulait, puis il n'y avait pas beaucoup, même pas autant qu'on voulait. Fait ce qu'on a fait, on a caché dans une rangée. C'est notre petite céréale cachée. On a caché d'autres produits, mais il en reste seulement un. C'était quoi? Des sambons à
J'avais oublié. Fait qu'on était en contrôle par rapport à ce qu'on voulait. Il n'y en avait pas beaucoup. Et aussi, ça sauvait des pas parce que c'était la seule affaire qui était à l'autre point du Walmart complètement, là. On les a mis ici. Ça, j'ai des coupons de gratuité pour ça, de valeur de 12,97. Après seulement 30 minutes d'épicerie, Tania en est déjà à remplir son quatrième panier. J'ai besoin d'un autre panier! Elle est allée là. Mon walkie-talkie, il est où? Va pas dans l'eyeliner, j'ai été chercher biscuits d'air. Moi, je trouve pas les biscuits d'air en ce moment. C'était pas eux. Ça sent l'air que c'est eux. C'était « je vais là ». « Oh non, il y a rien. Oh non, je fais quoi? » Non, j'étais complètement perdue. J'étais, je savais même pas me diriger. Ben c'est pas sûr que je pensais, mais ça va faire la job pareil. Ils sont au même prix. 2, 4, 12, 29, 30. Mais là, je sais même pas où je me garoche parce que j'ai pas fait de repérage. De pas avoir fait de repérage avant, ça me mélange tout. Je m'en veux à mort de ne pas regarder la bonne adresse. C'est des choses qui m'arrivent. Danette, faite. Mon niveau de stress, non, là, ça va bien. On a commencé un peu croche, là, mais là, ça va. Ouais, je me suis genre accrochée dessus. Ouais, c'était pas vrai. Oui, j'ai vu de la tablette. Je me sens pas mal. J'en ai vidé une. J'en aurais vidé d'autres. T'es dans quelle année? Allez, Karine. Céréales. Mais t'es encore dans les céréales? Ouais. T'as-tu été dans le poulet? Mon Jurgens. J'ai même pas pensé. T'es où? T'as-tu pogné le poulet? Non, il est pas le bon prix. Il est pas le bon prix? Il est pas 2 piastres, il est 3,47. Fait que dans le fond, on fait. Il est 3,97. Fait qu'on fait 3 cents. Ça vaut pas la peine de l'utiliser. OK, laisse faire, on le prendra pas. T'es où? Je cherche le savon Jurgens. OK, je m'en viens. Ben, il est vide. Savon Jurgens. Je me suis pas rendue à temps. On va aller chercher d'autres crédits, les Simlacman. Oui, c'est vrai. J'espère qu'il y en a assez. Il va falloir avoir... Il va falloir qu'on voit si notre commande est rentrée parce qu'il y en avait juste 3 sur la tablette. Ah, c'est ici, Rita. Les mums. Les Simlacman. Ouais. Ils sont toutes pris tantôt. OK. Ils sont passés tantôt. C'est nouveau, ça. Il y en avait beaucoup. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé. Parfait. Bon, ben, t'as passé vite. Ouais. Ben, on avait autre chose. Ah, c'est ça. Parfait. Écoutez une pièce, whatever. Ben non, on avait du crédit. Ah! J'ai pas pris le bon panier. Je sais pas pourquoi. Je partais avec le panier quelqu'un d'autre. On les a presque pas croisés, l'autre équipe. Ils sont où? Vous êtes rendus à 1906,73. Je me sentais angoissée de voir un gros montant de même que j'ai jamais vu de ma vie. La moitié du temps est écoulée et les deux équipes vident les étagères les unes après les autres. Mission Cocooning attend impatiemment des barres de savon. Je cherche les savons Jurgens. 75 cents, s'il vous plaît. Oui, on est ça. Merci! Inconnu. Tandis que les grandes couponneuses cherchent le lait maternisé dont les quantités étaient insuffisantes. J'étais vraiment déçue qu'on n'avait pas les Similac Mom. L'avez-vous ailleurs? Il y en a plus sa tablette. OK. Parfait. Ah, excellent! On les a! Finalement, il avait caché le stock juste ici, fait que je sais pas s'ils savaient. Enfin, je sais pas là-bas qu'est-ce qu'il y avait. L'autre équipe l'a peut-être pas vu. Peut-être qu'ils en ont manqué. Ils vont faire comme nous. Hein. Il en reste encore. S'ils en veulent, c'est fun, check. Il y en a encore. Oh. Au moins, on en a 590. Les grandes couponneuses ont donc mis la main sur un gros crédit. Ils sont toutes 4 pièces, hein? Il n'y a pas comme format familial. Non. On a un autre panier de rempli. Puis je me demande le combien qu'on en a en arrière. On a tout ce qu'on voulait. Bon, il en manque peut-être. On a peut-être des commandes en arrière, mais. On les a presque pas croisés, l'autre équipe. Ils sont où? Bien, au début, c'est certain qu'on voulait vraiment avoir nos produits. On était stressés. Puis moi, je disais, je vais courir au Similac. Je veux mes Similac.
Puis on les a eus, puis on a eu notre jus, puis tu sais, on se disait, on n'aura pas tout, mais on a tout. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Ah! C'est le paradis! C'est le paradis! Ça compte? Oui, merci beaucoup! Ça fait plaisir. Merci. Eh, mon Dieu, j'ai des coupons d'une pièce. Puis là, j'ai vu qu'il était à 75 cents. Hey, un autre affaire. Le fan pack qu'on a vu hier. Oui, oui, OK, go. OK, on fait une tournée vite de celle-là. Non, je pense pas qu'il l'aille. C'est pas grave. La chenoute. Ah! Allez, 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 allez. Un commis a demandé au carrosse. Ah! Je vais prendre les bleuets. Excuse-moi. Oui? Je recherche du Hawaiian Punch. Rangé. J'ai pas pris le bon panier. J'ai pas pris le bon panier. Je sais pas pourquoi. J'ai pas attaqué le panier quelqu'un d'autre. Je peux pas comprendre, j'ai fait ça! Quelle perte de temps! Pourtant, ma sacoche, mon téléphone, mon walkie-talkie, c'est quoi l'affaire? J'étais pas là! J'étais complètement dépassée par les événements, je pense. Ça, c'est l'angoisse, le stress, je suis perdue. Hey, tu crées ça que j'ai pris le panier de quelqu'un d'autre? Très drôle. Très, très drôle. T'as-tu trouvé un commis? Parce que moi, j'avais trouvé un commis, puis ça m'a stoppé. Je suis obligée de repartir en courant. Fais le panier de froid. Comment ce panier de froid? Ça te tente-tu? Ouais. Je vais chercher le froid. Je vais chercher des mères poules. J'ai des coupons de 5 $ puis on a remarqué à la dernière minute, en allant chercher des coupons, qu'il était 4,99 $ au IGA. Fait que c'est gratuit. On pensait payer 50 cents ou 1 $ Fait que finalement, on en profite. C'est gratuit. Ben, maudit. Ta mère, je les vois pas. Il n'y en a pas de mini-go. Non, hein? De yoga, il y a un que ceux-là. Je cherche des danettes, puis même si je m'en vais juste à 3-4 pas, j'amène mon sac toujours. Ben ouais, je suis paranoïaque un peu, mais il y a quand même 2000 $ au moins là-dedans. Fait que c'est sûr, je traîne mon sac partout. On a-tu des danettes? Il ne reste que 30 minutes au défi, et les deux équipes se croisent enfin. Les filles sont là. André, ils cherchent des produits, demandent à des commis. Non, les paniers sont vides. Ben, en tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir fini. Nous autres, on a fini. Allô? Oui, toi? Oui. Oui, toi? Ton panier est vide, Tania? Qu'est-ce qui se passe? Je trouvais rien! Je trouvais ça bien drôle de comme, OK, ouais, ils sont où tes choses, là? Parce qu'on voulait dire que ça avançait pas vite, son affaire, tu sais. Quand elle a passé à côté de moi, elle m'a dit « Ouais, ton panier, il a l'air vide. » Moi, je me disais « Ouais, t'as pas vu ce qui est en ailleurs. » J'allais te mettre mes lunettes, hein? Hawaiian Punch. Un commis! Ah, ma sauveur, merci. 64 Hawaiian Punch, s'il te plaît. T'as besoin des petits jus ou t'as besoin des gros? Les gros 1,89 litres, s'il te plaît. Elle est fatiguée. Moi, j'ai un problème à partir avec mes feuilles. Moi, faut que j'attende la commande de Hawaiian Punch. Fait qu'est-ce que tu peux, s'il te plaît, demander pour les glades? Oui! Yeehoo! Alors que les grandes couponneuses se dirigent vers les caisses, elles remarquent l'épicerie de leur adversaire. Ah, mais check! Des teintures, ouais. Des céréales, des collations, c'est quoi ça? Dare. Ah, il y a des dare. Il y a 5 paniers. On a 7 paniers. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment des produits différents. Il y a des affaires, je me demande c'est quoi leur deal vraiment. Là. Ouais. Peut-être qu'on a manqué quelque chose. Mais ils ont beaucoup de gratuité céréales là, quand même. Oui, il y a une compétition qui relevait de ça. Mais moi, ce qui me motivait, c'était vraiment de savoir qu'on allait pouvoir aider des gens peut-être qui en ont plus de besoin. La dernière chose qui me manque, c'est du lait Similac. Similac, je vais aller checker en arrière. Je vais vous envoyer le commis. Parfait. Merci. Merci. Voyons, tu penses quoi avec mes deux listes? Puis... À 15 minutes de la fin, Mission Cocooning cherche encore plusieurs produits manquants. On a zéro glaine. Ah, ben non, regarde, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. On a-tu les Playtex? Il y a zéro glaine. Zéro glaine. On en voulait 141. Ouais. Merci! Yay! Woohoo! Merci. Ça, pour pas de la peine. 16,32. Non, j'ai pas tout. Il nous en manque 34. Crème, oublie ça, là. Notre facture à droite, là. Puis les glaives, on les oublie complètement. Oui.
Il nous manque 31 simulacrum. À 11,97, ça revient à 300 quelques. 31 fois qu'il nous manque. Fait que... On va aller le demander tout de suite. Oui, on se promène ça en rond. Moi, je tourne en rond là, en ce moment. Là. Sans pas rond, là. Oh my God. Excusez, madame. Je veux pas vous accrocher. Il y a des gigocaises. Il y a des gigocaises. Il y a des gigocaises. On s'est fait dire que c'est des restants à Jessie. Ça fait bien mon bonheur. Ça fait monter ma facture. Excellent. C'est ça, hein? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bon, ben, yes, madame. Voilà. On a tout fait ce qu'on voulait. Terminé. À quelques minutes de la fin, Mission Cocooning n'a toujours pas reçu leur précommande. Si le commis dit qu'il l'a pas, ils l'auront pas plus. On a fini? Je suis très fatiguée. On n'est même pas passé à la caisse encore. Ça va être beau! Après 3 heures de magasinage et 14 paniers remplis, les deux équipes sont prêtes à passer à la caisse. Allô? Ça va? Oui, ça va bien. Je vais pas te faire des trop grosses piles, là. Mais si tu veux des grosses piles, je peux te faire des grosses piles. Non. Attention, je peux perdre mon top. Vous êtes rendu à 915,46. Oh, mais des belles couleurs! Vous êtes rendu à 1584,98. On a combien, là? 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ben, je trouve ça bizarre. Je veux savoir combien que ça va leur coûter pour avoir autant de choses, là. Vous êtes rendu à 1906,73. Quand je voyais la facture monter, je me sentais angoissée de voir un gros montant de même que j'ai jamais vu de ma vie. Votre total est rendu de... 2901. Yeah! C'est beau! C'est dur sur le cœur. Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, vous? Mon nom, c'est Jessie. Bonjour, Jessie. On a une grande épicerie, donc on va passer un bon moment ensemble. Aucun problème. Moi, c'est Rose. Enchantée. On va faire ça comme il faut, vous allez voir. Ça fait deux. Ça fait 3, hein? 27. Check nos danettes. On voulait des danettes, dans le fond, mais ils sont arrivés avant nous d'en ranger, puis il n'en restait plus quand on est arrivés. Ils sont toutes là. Oui, ils sont là. On est rendu à 1122,93. 1122, Vita. On a juste un Chapman, on en a 7. On est rendu à 1876,10. OK. Continue? Oui. C'est beau. Oui, ça passe comme on veut. À date, là, on avait un sous-total à 1800 à peu près. Les simulacrums, c'était à peu près 600. Ça fait 2400. Fait que ça s'en vient. Bien, j'ai pas l'impression de perdre la face si je fais un défi à 2000 quand j'ai déjà fait 4000. Mais c'est sûr, je sentirais que je perdrais la face si on aurait moins que l'autre équipe. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! 59 fois. 2 fois. Ça sent bon. En tout cas, les personnes vont être contentes. Ben oui. Pour le don. C'est le fun d'avoir une caissière aussi sympathique parce que des fois, on est un peu coincé entre la... puis les corses. On veut économiser, mais en même temps, les caissières sont pas toujours contentes. Fait que c'est le fun aujourd'hui avec tout ça d'avoir une caissière patiente. Hey. On le va. On arrive au moment stressant. Votre montant total, c'est de 3387,60. Oh! Imagine ça! J'ai jamais dans ma vie monté une facture aussi haute que de vouloir un crédit. Mission Cocooning avait un objectif de 3200. Malgré les produits manquants, elles réussissent à le dépasser de 187. Auront-elles suffisamment de coupons? On n'a pas pris le temps de calculer encore qu'est-ce que ça donnait. En fait, avec les nouveaux montants, fait qu'on est vraiment comme dans l'inconnu. On ne sait pas, on attend, là. Ça, c'est fait, mais pas ce panier-là. OK. Il y en a combien? 35. On s'attendait de faire 2000, puis finalement, on doit être autour de 2400. Fait que c'est sûr qu'on est content. Content, toi? 36. 36. 79. Le montant... Total, 3030,76. Les grandes couponneuses visaient une épicerie de 1500 et doublent ainsi leur objectif de départ.
Mais auront-elles assez de coupons? C'est un peu épeurant parce que c'est un peu plus que ce qu'on pensait. Fait que là, reste à voir si on a assez de coupons pour faire descendre ça, là. On voit les chiffres descendre, puis là, on se dit, OK, je n'ai-tu assez? Bonsoir. Ça descendait pas vite, là, au début, là. Ça a descendu un peu. Les grandes couponneuses ont doublé leur objectif de départ pour un total de 3 030 $, tandis que Mission Cocooning ont bien visé leur objectif avec une épicerie de 3 387 $. C'est maintenant le temps de régler la facture. Et on va payer avec ceci! Des beaux coupons! Le bout plus stressant pour moi, ça a été quand on a passé à la caisse. Même si on était bien préparé, tous nos coupons étaient bien organisés, étaient vraiment scrutés à la lettre. C'est vraiment le plus excitant. Ça, c'est de la gestion, les coupons. C'est quelque chose. C'est très quelque chose. Ça, c'est la taxe inclue. Oui, ça, c'est correct parce que c'est correct. OB. Peinture. Ouais, je regarde souvent le truc ici. Je veux savoir. On voit les chiffres descendre, puis là, on se dit, OK, je n'ai-tu assez? Combien j'en ai? C'est plein d'affaires qu'on pense en même temps. Vous êtes rendu à 1663,78. On est descendu à peu près de la moitié. Tout près. OK. Ça t'est énervé un petit peu? Un peu stressé, on a hâte de voir combien ça va coûter. Ou si on va se faire remettre de l'argent. Le total, maintenant, vous êtes rendu à 1950,84. Ça a descendu un peu. Ouais. Ça va faire une grosse drop. On passe des coupons, encore plus de coupons, toujours plus de coupons, et le coût de la facture ne cesse de baisser. J'ai des gros coupons! 798,95. Il vous reste combien de fils de coupons? Je veux pas le savoir. 4, 7. Il nous reste au moins 7. Continue, continue. Laisse aller. Là, je voyais monter et descendre, je me disais, oh mon Dieu, mais on va être vraiment correct, là. Pas sûr. J'osais comme pas regarder des bouts, puis là, je me disais, ouh, pas sûr, on va peut-être payer. J'ai un bazar. On est à combien, le Rose? Là, on est rendu à 1234,6. OK. Là, on rentre les gros coupons. OK? Parfait. Oui, ça descendait pas vite là, au début. Là. À coup de 1 $, 2 $, j'attends qu'on arrive au chèque. C'est des gros montants. Les chèques, dans le fond, c'est tous des produits qui revenaient gratuits, mais c'est là qu'on va surtout chercher du crédit. Fait que ça compense pour les produits qui nous coûtent de l'argent. C'est le dernier, là. C'est terminé après, là. Je vous dois 158. Oh mon Dieu! Mission Cocooning a fait une épicerie d'une valeur de 3 387 $. À ce montant, nous soustrayons les prix concurrentiels et les coupons rabais, ce qui leur donne un crédit de 158 $ qui s'ajoute aux dons. Ça a valu la peine. Je suis contente qu'on en ait donné autant. Je suis contente qu'on ait atteint notre objectif. Quand j'ai vu le montant final dans le crédit, écoute, c'est toute la gamme d'émotions. On a travaillé fort. Toute la stress vient de faire. On va dormir. Oui, on va dormir! Mesdames, vous êtes rendues à 884,6. OK. C'est un bon montant? Non, pas encore. On est en train de descendre. Ça, c'est le dernier. OK? Il est épais. Il est épais. Vous me devez 66 sous. 66, c'est bon. Oui. Les grandes couponneuses terminent en deuxième place avec une épicerie d'une valeur de 3 030 $. À ce montant, nous soustrayons les prix concurrentiels et les coupons rabais pour un montant à payer de 60 $. On est vraiment contents de ce qu'on a réussi à faire parce qu'au départ, on avait 800, 1500, ça montait petit à petit. On s'est retrouvé qu'on avait un petit peu plus que 3000 $ environ. Fait que c'était quand même le double de ce qu'on s'attendait. Fait que nous, on est vraiment contents de ça. Par contre, on s'attendait d'avoir un peu plus de crédit. On n'a pas pu faire autant de commandes qu'on aurait voulu. Mais ça, ça n'aurait pas joué beaucoup dans le montant. Ça aurait plus joué sur les montants de crédit. Ensemble, les deux équipes offrent un don de 6 575 $ qui sera remis aux fondations, la parentèle et le relais communautaire de Laval venant en aide aux parents de jeunes enfants.
Et de la part de nous quatre, les couponneuses, de, beaucoup de céréales, beaucoup de jus. C'est varié, mais il y a énormément de céréales et de nourriture. Donc, on est vraiment, vraiment fiers de faire cette donation-là. Puis de faire plaisir aux autres, bien, c'est ce qui compte dans la vie. De la part de la parentèle de Laval, nous sommes un organisme qui offre des services aux familles ayant des enfants 12 ans et moins. On a besoin énormément de la nourriture pour pouvoir fournir la nourriture pour nos activités. Et je vous remercie de la fond de mon cœur. Merci beaucoup. C'est sûr que ça fait un petit quelque chose. On aurait aimé ça gagner, mais justement, on a vu tous les produits, on a vu la diversité. C'est quand même tout ça qui s'en va en don, puis c'est le fun. Ouais, c'est vraiment fun. Ouais. Moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui vont profiter de ça. Moi, je suis fière de ma réserve, puis je suis fière d'en donner de ma réserve. Fait que d'avoir travaillé aussi fort avec Karine, d'avoir été chercher autant de coupons, puis d'emmener jusqu'au crédit, puis qu'ils vont pouvoir, eux, avec ça, aller chercher ce qu'ils ont besoin de plus. Je pense que c'est une fierté, là. Merci beaucoup. Ces femmes nous ont prouvé qu'elles sont les reines du couponing.